Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur RimWorld Royalty, Roi des Sables, et vous l'avez vu, j'ai fait des petits cercles tout jolis. Et on va travailler sur, là, je pense qu'il faut mettre plus de clim, parce que là, tout ça, c'est bien beau, tout ça, ça a été fait en été, mais en hiver, enfin en hiver, mais je pense qu'en été, ça va être autre chose. Donc, on va stocker, ici, les composants en critique. Et ici, on critique aussi uniquement de l'acier. Alors les composants, ils sont là. Très bien, on va aussi activer celui-ci. Là, ici, il faut que je casse les câbles parce qu'ils vont aller ici. Voilà. Et il est temps aussi pour nous de casser tout ça et tout ça. Voilà. On va dupliquer aussi ça. Ainsi que la chaise. Et on va demander à notre très cher Lubilule de devenir artisane plus qu'autre chose. On va demander à Grésy d'aller faire de l'acier. Nous y voilà. Bon, là déjà on a quasiment tout ce qu'il faut. Je pense que je peux déjà démonter celui-ci avec Lubilule. Qu'est-ce que t'es parti chercher? Il n'y avait pas assez d'acier. Super, moi qui voulais pas que la température remonte. Qu'est-ce que t'es parti chercher? Il n'y a toujours pas assez d'acier. Ah, j'aurais pu faire un petit peu mieux là. Alors, j'imagine que 2 heures de décomposition va pas tuer tout le monde. Allez, moins 20. Vas-y, voilà. Bien, ici, ça donne quoi? Ici, Julia, tu vas faire ça. Pourquoi tu pourras pas démanteler? Solo, il est en train de démonter. Ah non, ça, je veux justement pas qu'on le fabrique là. Ça non plus. Ça non plus. Alors, on va mettre la lampe ici. Là. De ce côté-là. Là. Celle-là. De ce côté-là. Et celle-là. Ici. Ça gêne. Quête disponible, les capsules du danger. Waouh! 2 piquets, un activateur de compte à rebours, une cellule de puissance instable au gué du Levant. Soit restée unité jusqu'à ce qu'elle soit dérangée. 8 faveurs royales, mais il n'y a rien d'autre? Non, bah non. On ne se bat plus juste pour des faveurs. Ça n'a plus de sens pour nous. Voilà. Un météorite de marbre, il est tombé où là? J'ai l'impression qu'il m'est tombé dessus. Ah super.
va m'enlever ça parce que ça c'est pas du tout gênant. C'est pas du tout dans ma ligne de vue. Truffe, tu fais quoi? Oh là, il y a un petit pipe d'abiole là qui. Ah, tu peux pas ramener les pommes de terre, toi. Tu te sens pas légitime là-dessus. Payette, mets la lampe, s'il te plaît. Non, d'accord, c'est déjà réservé par quelqu'un. Non, Paris, non, tu. C'est pas sérieux, quoi. Apporte-moi du calcaire. Quatre et quatre. Eh ben oui, c'est très coûteux, mais c'est très chaud aussi, hein. Excusez-nous d'avoir chaud en été. Y a pas de mur ici. C'était une blague. Ici, il y a un carrelage en acier et une porte en métal. Là, il y a des portes métalliques avec les mêmes carrelages en acier. Là, il y a un carrelage en acier. Là aussi. Là aussi, là il n'y a pas de porte, là il n'y a pas de carrelage, pardon. Enfin bon, vous m'avez compris. Ici, c'est pareil. Voilà. Qu'est-ce que ça donne tout le reste? Ici, on peut faire le boulot. Allez, bon, on y va. Libellule. Avant d'aller te coucher. Tap, tap, tap au feu. C'est rien ça. Des pissenlits. Voilà. 20 degrés. Ça y est, on est paré pour l'été. Avec la consommation qui va avec, hein, ça c'est sûr. Alors, j'ai besoin que des gens se mobilisent pour me faire des lits doubles en calcaire. Là, je les avais préparés. Comme on prépare, bah, on lance la construction et puis on annule. Tout simplement. Allez, vas-y, prends-toi ça. Tapicote quand même. Hein. Capsule de cargo, qu'est-ce que tu m'offres? De l'argent. 50 argent. Ah non, pas 50. 208 argent. Eh ben écoute, j'ai les 208 argent. Et les 35 aciers sont les bienvenus. On va pas se déplacer pour ça. Hein. C'est le prix d'une chèvre. Ah bah quand même. Oh là 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 là. En même temps, c'est une tempête pluvieuse. On peut faire confiance à nos incendies. Alors ajoutez, parce que là je trouve qu'il y a un trop gros gap entre les deux. Je vais répéter jusqu'à en avoir. Hop, détail. 250, ça sera bien. Ardoise, ardoise, ardoise. Calcaire, 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 250. On est parfait. On va faire la même chose. On va copier ce qu'il y a là. Ici, évidemment, il faut les copier un par un parce que c'est tellement plus drôle de les copier un par un. Ça fait rire tout le monde. On inverse l'ordre ici. On inverse l'ordre et on s'arrête là de façon à ce qu'ils aillent sur deux postes uniquement.
uniquement quand on en a moins de 250. Est-ce que c'est de la viande là que je vois traîner, ouais? Vous pouvez pas la ranger là? Grizzly, tu peux pas ranger la viande? Et ici, on peut mettre de la viande là. Je suis sûr qu'on peut en mettre. On peut pas. Bon, on va pouvoir. Non, on va pouvoir. On va faire un effort. En même temps, nos réserves maintenant vont finir par se vider pour l'instant. Parce qu'après, on aura un sacré, sacré frigo ici. Qui va aller de là à de là, comme on dit. Comme dirait Duhamel. Donc, ben là, on est bien. Coup de chaleur pour qui? Chauffe, t'as chaud? Et pourquoi tu sors? Personne t'oblige à sortir, hein? T'as qu'à rentrer et puis c'est tout. T'auras plus chaud. Il fait 52 degrés dehors et c'est pas prêt de s'améliorer. Là, je peux construire ça. Et puis aussi, je peux construire ça. On va mettre la ventilation ici. Et évidemment, on a aussi deux ventilations ici. Qu'il y avait oublié d'émettre. Alors, Grizzly, tu dors encore? Bah oui. Tu vas continuer à me faire un peu de métal de temps en temps? Ça serait super. Si quelqu'un pouvait finir de me faire tomber ça aussi. Celui-ci, faut pas le miner. Parce que le dernier, on le mine toujours par un certain angle, au cas où il y ait un toit au-dessus. Et que ce toit nous tombe sur la tête, ce qui n'est pas bon. Solo, notre tout nouveau mineur. Allez, chauve ne sait plus négocier. C'est triste. Solo, prends exemple. Regarde ce qu'on m'a fait, Grizzly. Sérieux, quoi. Vitesse de minage. Voilà, 147%. Échoué. Ok, fournisseur militaire. C'est un vaisseau. Ça sert à rien, les fournisseurs militaires. Je peux rien leur vendre. Voilà, j'ai rien à vendre. Tiens, on va vendre le thé. Voilà, pour te faire un petit peu de sous. Bah si, ça sert bien sûr, mais pas pour le moment quoi. Pareil, si. Mais il y a un incendie. Je l'entendais même pas l'incendie.
Alors, 12, je voudrais pas te stresser, mais t'es pas fait pour faire ce genre de truc. Grizzly, ta construction 16. Julia, ta construction 16. Donc, Julia, tu vas faire les lits tout aussi bien que. Que, pardon, pas Grizzly, mais Libellule. Arme de précision, et ben on n'est pas contre, mais ce qu'on veut, nous, c'est tir chargé. Qui est-ce qui a fait une construction? Vous faites pas les lits, s'il vous plaît. Excellent, voilà. Truffe, tu vas faire autre chose, je l'ai dit. On a plus assez de calcaire, mais là, il y en a assez, par contre. Très bien, un lit excellent. Voilà qui est parfait. Je sais pas trop où ça va aller, mais j'imagine que ça va être dans ce coin-là. Mobilier. Alors ça, c'est pas vraiment une table de nuit. Pas pourquoi j'en ai fait 5, vu qu'il y a 4 chambres, mais bon. On va dire que quoi. Lit double bon, bah ça fera l'affaire. C'est quoi la différence entre un excellent et un bon? 103, 107. Ça change quand même. 54. Alors pas pour la chirurgie, mais l'efficacité du repos, je trouve que c'est quand même important. Ah, matériaux bloc de calcaire, c'est par c'est 0,90, mince. Ok, et là? Multiplicateur. Ah, bah j'ai pas le 0,90 en acier. Ah ouais, donc j'ai quand même intérêt à faire des trucs en acier, en fait. On va oublier, évidemment, en or ou tout ça, ça serait mieux, mais. On va les démonter. Et on va les refaire en acier. Parce que si. Tant pis pour notre acier. Au moins, si ça rapporte un petit peu, c'est utile. Toujours plus utile que de refaire 10 fois le truc. Donc, bah, du coup, on va faire juste les 4 dont on a besoin. Hein. Et donc, du coup, on continue à dire à Grizzly qu'on a besoin d'acier. Hein. Quelle heure il est? 19h. Mathieu, toi, tu sais quoi? Tu vas venir miner ça. Fini la balade. Voilà. Truffe, t'es fait quoi? Tu viens chercher l'acier déjà? Pourquoi t'en prends 40? Allez, Grizzly, tu vas me transporter de l'acier aussi en partant. Voilà. Ici, méga araignée en pleine migration, c'est pas chez nous. Donc là, hop. Quatre, trois. Ici, on a une porte. Voilà. Encore des trucs en pleine migration. C'est toujours pas ici. Il y a un grossiste. Ça, c'est très bon, les grossistes. Ils vont se rencontrer, eux.
vont se rencontrer, ça va être la bagarre. Chauve, t'iras voir ton grossiste demain. Ça presse pas. Faut juste pas que j'oublie. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils gardent leurs guenilles quand elles sont abîmées. Parce que ben moi j'en ai des biens là. Est-ce que des guenilles ça se porte jusqu'à ce que ce soit usé, c'est ça, c'est le principe? Parce que ça m'empêchera pas de les mettre, hein. Ou alors, c'est parce que tu préfères porter la guenille qui est pourrie. Sais pas. C'est pas grave, de temps en temps on les fera à la main, on a une alerte. Bon, bah ici ça prend forme. Là, c'est propre. Là, on s'est mis à fond en production. On a encore tout ça à zigouiller. C'est marrant qu'il ait une petite lèche, lui. Qu'est-ce que je construis? Des tables de nuit, ouais. Tout à fait. Mais pas 5. Capsule de cargo. Qu'est-ce qu'on a reçu? Des pommes de terre! Ouais, mais bon. C'est une journée, hein. On va venir les chercher. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de choix. Et je pense que ça va être l'occasion pour nous de construire une porte ici. De construire une porte là-bas. On va avoir besoin de ça. Donc on va envoyer quelqu'un. On va envoyer Grizzly capable de miner et de construire. Quelqu'un qui soit vraiment capable de miner. Libellule. Libellule à mine à 6. Ok. Ok, on y va. Libellule. Monde. Chamal. Allez, on prend les trois chamals. Le. Un chamal des chameaux. Donc, pardon. Les trois chameaux. Excusez-moi. Non, rien. Go. Voilà. Et ici, on va lui demander de venir miner ces deux trucs-là. Même pas un seul, ça devrait suffire pour fabriquer une porte en métal. Voilà. On va mettre une petite zone de stockage. Pour les briques, là, parce qu'on va les prendre et ils nous saoulent. Elles nous gênent. Et où est-ce que c'est tombé leur pas? C'est tombé ici. Voilà. Donc on va mettre la zone de base, elle sera ici maintenant. Et plus du tout ici. Voilà. Désolé pour toi. Allez, on y va. Allez, solo, un peu d'énergie là quand même, parce que. Tu fais quoi toi, Paris? Tu ranges des briques qui sont là, quoi. T'es sérieux? Non, mais t'es pas obligé de construire non plus. Ok, tu vas démanteler ça et ça. Et ça aussi. Paris, tu vas faire ça maintenant. Il est comment le lit? Normal? Ah non. Je fais pas des lits normaux. Pas avec 15 ou 16 en construction, certainement pas. Et 21 assiettes perdues, mais je préfère encore ça.
Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Caravane est arrivée. Super. Ben, le problème, c'est que t'es parti miner un peu n'importe quoi, là, les composants. Moi, j'aimerais bien que tu mines ça. Et qu'après. Et ben, après, on verra. On va quand même y aller d'abord. Et on va dire aux animaux de se mettre dans la base. Chauve, tu devais pas parler au grossiste? T'as failli oublier. Oh, des brebis, des alpagas! Des alpagas! C'est tellement cher! C'est tellement cher, mais en même temps. Mal neuf. Ok. Il nous en faut tellement peu. Cœur de dromadaire, je suis prêt à tout donner là. En même temps, j'ai de quoi donner, hein. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal là, il n'y a pas de problème. Et ils me doivent encore des sous, bah, d'autres alpagas, on va pouvoir se débarrasser dans nos ch... Donc on est d'accord que ça survit à 45, c'est-à-dire pas 60, c'est-à-dire qu'ils vont souvent avoir chaud. Ça, on est d'accord. Donc ça ne servira qu'à moitié pour le transport, mais quand même. Ça ne se vaudra pas nos trois chameaux, hein. Faut qu'on garde nos trois chameaux pour le transport. Par contre, la nourriture, 0,72. Et la capacité de transport, 75. Ça fait du cuir, mais ça fait aussi de la laine. Et je crois que ça fait pas de lait, par contre. Ah oui, ça fait de la laine, mais ça fait pas de lait. Au final, est-ce qui m'intéresse? Parce que je dis ça, mais ils font de la laine, ils font de l'argent. Mais est-ce que j'ai besoin de cet argent? Parce que le lait permet de récupérer une partie de la nourriture que je leur donne. Faut que je regarde combien je nourris mes chameaux. 1,28, 1,28. Ah ouais, c'est tellement moins. Bien sûr, bien sûr. Pour faire de l'élevage, c'est tellement mieux de faire des alpagas. Ils se reproduisent plus vite, ils grandissent plus vite. Bien sûr que c'est mieux. Si je veux faire du cuir, et j'ai besoin de cuir en permanence. À moins qu'on passe au diable étoffe rapidement, mais pour l'instant... Évidemment, ça va être plus intéressant. Et en plus, il faut que je me débarrasse de tous ces trucs-là, là. Que du bonheur. Manteau en tissu horrible. Pantalon normal. Parka. Guenille, bon, non. Pantalon, t-shirt, chemise, parka. T'as, c'est bon. Voile de guerre, chapeau, c'est normal. Corset. Veste royale. Corset. Chemise à volant, veste royale. Haute forme, couronne de métal, la table, tiens. Les deux sacs de couchage pourris, un t-shirt, des guenilles abîmées, très bien. La fourrure de cobaye, de la peau humaine. Je crois qu'on est pas mal, tu me dois 2004. 2004, donc un mâle de 9. Femelle. Oh, plusieurs femelles. Encore des femelles. Encore une femelle. C'est moi qui dois te payer là. Je vais peut-être demander un peu trop d'alpaga. De toute façon, je peux rien te vendre de plus. Donc, je vais clairement pas prendre les femelles 11. Ah, à une pièce d'or, je pourrais prendre celle-là. Ben, vous savez quoi? On va donner un truc. On va donner un cuir de dromadaire. Si on peut donner. Tout notre cœur de dromadaire. Tout simplement, ça presse pas. Maintenant. Ben, on a même un pantalon à synthé. À filer. Ben voilà, comme ça, on a presque rien à donner. On a presque rien à donner. Je peux garder mon cœur de dromadaire. C'est pas que j'insiste, mais j'aime bien ça, le cœur de dromadaire, quand même. Voilà. Voilà, et donc du coup, je pourrais peut-être récupérer même quelques petits trucs en plus, comme des... Ils sont pas fécondés. Les brebis et les béliers, sans façon. Pénoxyline, acier, bois. Voilà, il n'y a rien qui m'intéresse. Ouais. C'est parti. Waouh! Donc voilà,
on a officiellement 6 femelles et un mâle. Nom de Dieu, ils peuvent attaquer. Alors ça, c'est vachement bien par rapport aux chameaux. Ça nous rend vachement utile. Bon, dans le cas où ils vont se faire attaquer quand même, c'est pas si mal. Mine de rien. Mine de rien. Il y a certains cas où on est tout seul avec nos chameaux et les chameaux ils font rien. Mais on sait qu'ils vont se faire dégommer. Donc au final, pourquoi pas les dresser à l'attaque? Ah, franchement, on va pas les laisser à l'attaque. On va les dresser tout court, mais voilà. Allez, c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Mais ça remplacera pas nos chameaux, donc on aura 10 bêtes maintenant. Hein. Va falloir les nourrir. Hein. Pas la moindre idée de comment on va faire ça. Peut-être un peu présomptueux. Quoi, ça fait des bouts de vache? Oh non. Oh non, ils ont pas fait ça. Oh non, on va entendre des bouts de vache pendant toute l'année. Oh bah, on va les mettre loin. On va faire un enclos à alpaga, genre. Vous voyez ça, ce couloir? On va le continuer, on va le mettre ici, là. Hop, et l'enclos à alpaga, il sera là. En plein milieu de l'infestation. Lidou, bon, c'est correct. Par contre, c'est pas toi qui finis le lit. C'est Libellule. Merde, j'ai oublié Libellule. Elle fait quoi là? Elle a dû miner des trucs du coup. Est-ce que t'as miné des composants? Et les autres, ils sont en train de bouffer toutes les patates. Je suis venu pour rien. Je suis venu pour rien, ils ont bouffé toutes les patates. Ah, la porte est déjà là. Excellent. Zone de stockage. Go. Monde. Former une caravane. Bon, bah. On pourra pas dire, mais ça n'a pas été très utile. Il nous manque déjà 50, le temps qu'elle charge le truc. Mais où? Qui est-ce qui a fait le lit là? Médioc. Qui c'est qui a fait le lit, nom de Dieu? C'est Julia qui fait les lits. Julia, viens faire les lits. Excellent. Déjà, elle a fait ça. Bon, Julia, viens faire ça. Puis ça. Puis ça. Grizzly. Grizzly, tu fais quoi? Ah, oh, pendant 3 heures, il va faire du. Ah bah on n'a pas fini. On n'est pas prêt d'avoir notre acier. Par contre, on va avoir du cuir. Et on va résister aux très très grosses chaleurs prochainement. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? Arrête de t'énerver, là, va pas tout faire. Tu fais quoi, ta truffe? Non, tu touches pas ma table de nuit. Préfère encore que t'ailles miner des trucs, tiens. Très bien, elle est comment? Elle est bonne. J'aurais préféré excellente, mais on en avait déjà une. Elle est excellente. Ah bah ça c'est bien les piliers, ça va pouvoir nous servir, on va pouvoir virer, éliminer tout ça. Allez. Excellente aussi, très bien. Tu vas démonter ça aussi. Et si t'as assez, tu remontes celui d'à côté. Et hop là, excellent. Bon, parfait, excellent. Excellent, métal, ça doit être bien. Voilà, 114%. Oh, faut que je le recommence celui-là. Eh oui, 108, 114, c'est quand même pas pareil. Allez.
On va essayer de faire que des excellents. On aura comme ça les meilleurs repos. Et mine de rien, c'est gagné à vie ça. Hein. Ils sont tous bons, mais moi maintenant je veux des excellents. Ou alors on attend, on va attendre. On va attendre qu'elle soit légendaire, tout simplement. Alors Libellule, tu reviens ou pas? T'es pas bloqué par la nuit quand même? Faut croire que si. Bon, les alpagas, vous dormez où? Et les autres? Ah bah ouais, vous dormez au frais, c'est mieux, hein. Hop là, c'est parti. N'a plus de composants, c'est ça? Ouais, il serait peut-être temps que quelqu'un s'y mette. Normalement, c'est Libellule et puis Paillette. Ok, météorite de minerai d'or. Ça va avec le météorite de minerai de jade, je dirais. C'est bien. Et la partie de vaisseau qui s'est écrasée, non loin de là, c'est bien beau, mais c'est non loin de où? En général, on les trouve vite fait, les parties de vaisseau. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à identifier. Et pour le coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? De la laine de bison et des trucs, vous êtes toujours pas parti les chercher. Et hop, ah non, pas Grizzly. Douce, va chercher la laine de bison. Paris, va chercher un débris. Julia, va chercher un débris. Truffe, va chercher un débris. Briquette, va chercher un débris. Et ensuite, où est ce fichu bout de vaisseau? Il doit être sur notre map. On a des patates là-bas? Vous êtes sérieux? Solo va chercher les patates. Non, Briquette va chercher les patates. Franchement, les mecs qui font le transport, là, vous n'êtes pas à la hauteur. Hein. Capsule de cargo. Neurotamine 45, je crache pas dessus. Dites-moi que c'est de là d'où je viens de partir. Non. Par contre, c'est là où il y a le... C'est là où il y a l'or. Et il faut vraiment envoyer Grizzly ici, quoi. Et jade. Ça se détériore, ça? Ouais, ça se détériore. Pas hyper vite, mais ça se détériore. On viendra bientôt. Quoi? Elle est où la blague, là? On y est. On va devoir faire bientôt des plats avec du riz pour pouvoir nourrir tout ce beau monde. Grizzly, tu vas vraiment dresser tout le monde. Caravane est arrivée. Youpi! Qui est-ce qui a fait ça là? Excellent, excellent, excellent. Bon. Confort plus 0,05. C'est bon. Ça donne le même confort, c'est juste pour l'esthétique, donc c'est pas grave. C'est quoi que tu fabriques un mur là? Ok.
4 là. 4 là. 3 là. 3 là. 4 là. 'Ici, qu'on soit une copie. Donc on n'a plus de composants, on est d'accord, hein. Faudrait que vous en fassiez là, les filles. Et vous en faites pas parce qu'on n'a pas d'acier. Tiens, Grizzly, tu pourrais venir miner ça. Et ça. N'y a pas de taux au-dessus, visiblement, pas de danger. Allons-y. Là, ça va faire le plus grand bien. Sont comment les chameaux? Ah les chameaux, eh dites donc, dites donc, dites donc, dites donc, dites donc, dites donc. Les chameaux, arrêtez vos cloneries s'il vous plaît. Hein. Ok, syndrome de la tourette pour Truffe. Bah tu vas te prendre des tournioles, c'est tout. C'est des choses qui peuvent arriver. T'as fini de manger, Grisé? Oui. Relaxation sociale, mais tu vas te relaxer plus tard. Ouais, t'es bon au niveau de l'humeur. Hein. Nous, ce qu'on a besoin, c'est ça. Regarde, Solo, il bosse bien là. Il suffit. Il fait le taf. Bon, bah on a bien avancé. On est en train de préparer le matos pour faire les chambres. D'ailleurs, on l'a quasiment fini. Hein. On va avoir juste à boucler, à fermer les pièces et ça sera terminé en fait. Hein. On les aménagera après. Ils seront déjà suffisamment contents d'avoir survécu. Douce, voilà, c'est ça. Douce, elle a rien. Et Truffe, il te manque des morceaux, c'est ça? Même pas. Tu vas quoi? Non, tu vas pas te reposer. Tu vas aller soigner Truffe. Ah, Truffe, je t'avais dit que t'allais te prendre des baffes, hein, à faire la maline là. Insulter tout le monde. Pourquoi vous avez pas chaud quand même? Résister à 60 degrés. Voilà. Tu peux aller dans ton lit. Et nous, on va s'arrêter là, au début de la nuit, même au milieu de la nuit. Et demain, bah j'espère que demain, on va pouvoir finaliser ça. On va pas forcément mettre les sols tout de suite. On va y aller mollo pour les sols parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de construction et tout. Et je voudrais focus la mise en route. La mise en route, on est le 14 avril mai. L'été, c'est dans 2 jours. Donc vraiment, demain, on doit lancer la production ici de... Bah, ça sera pas le maïs, a priori. Donc ça va être... Je vais vérifier, hein, mais il y a des chances que ce soit du riz malgré la charge de maintenance et de main-d'œuvre que ça donne. Je crois que c'est le plus rentable par rapport aux pommes de terre en milieu favorisé, puisqu'il est plus sensible à la qualité du sol et que dans les bacs, la qualité du sol est supérieure à 100%. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite.